Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao. On se retrouve pour chasser les méchants avec Akatsuki. Donc Akatsuki, je l'ai pas dit, hein, mais il a pris le titre de démon de la nuit, vu que c'est une némésis. Et c'est le prince de la Frigide Ascanie. Et il est pas très très content. Je viens de voir que là on a notre poste de passage. Il y a moyen quoi, si on l'active, on puisse repoursuivre l'armée et la choper. Et non, de justesse non. On peut interagir avec celui-là. On va essayer, non, c'est un tout petit peu trop loin aussi. On peut pas, dommage. On est juste hors de portée. Mais on va pas le laisser s'en tirer comme ça, clairement. Là déjà on protège cet avant-poste. Celui-là on va relancer la construction tout de suite. Qu'est-ce que c'était? Je sais plus ce que c'était. Est-ce qu'on le sait dans les trucs? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a eu? GG gagne un colosse. Bonheur et XP par tour. Parfait. Le grand livre des réserves, coût des main-d'œuvre, moins 1 pour les bâtiments de type ressources dans la région. Ok, l'erreur administrative, on a géré. Lui, Kizu Watna, comme prévu, il a enfin décidé de se bouger. On a fait l'ambition sans limite. On peut avoir une ambition de plus. Le poste de législateur à la cour est libre, laissé vacant par Kurunta pour des raisons inconnues. Ah, on a réussi à notre assassinat, ça se trouve. Excellent. Raid. On a un avant-poste qui a été détruit, mais on ne sait pas ce que c'était, c'est dommage. Ok, machination à la cour. Complot réussi contre Kurunta, excellent. Par contre, complot réussi contre Nardinus. Mais bon, c'est pas très grave, c'était un chantage. GG le pacifiste a gagné. Très bien. Et GG le pacifiste a un niveau. Fantastique, on va aller voir ça. D'abord la cour, ça veut dire que là. Pourquoi je peux pas... Normalement je l'ai fait cette amélioration. Ah, si c'est bugué, ça c'est dommage. Niveau 1, 2 des 5 postes à la cour peuvent être occupés. Alors ça sera peut-être valide au prochain suivant d'Horus, ce qui est dommage, mais... Du coup désolé Seb, tu vas devoir prendre ton mal aux patience, j'ai envie de dire. Donc chantage succès. On a réussi à l'assassiner, ça c'est classe. Du coup ça nous fait un petit boost et ça lui fait perdre de la légitimité. Et il va disparaître pendant quelques temps. Non, Suppi c'est l'heure. Chobiti me dit que j'ai Suppi et Nardinus, ça fait deux, mais non, Suppi c'est le grand roi, il compte pas. On est à 1 sur 1 là. Et ça dit bien, déverrouiller ou améliorer le pouvoir royal présence à la cour pour assigner plus de personnages. Ce qui est fait du coup. Mais soit il est bugué, soit ça n'est valide que au prochain suivant d'Horus. Ce qui est tout à fait pertinent, enfin pertinent je sais pas, mais logique dans le concept du jeu en tout cas. Quoi qu'il en soit, on a un point. On peut prendre une décision. C'est parti. On va prendre une décision en tant que haut juge. Face à l'homme. Le commandant d'Atuza signale que les réserves alimentaires de la garnison ont été détruites par un incendie criminel. Ah non, nos réserves alimentaires. Après une vaste chasse à l'homme, les soldats ont capturé un fugitif solitaire qu'ils tiennent pour seul responsable. Si l'homme reconnaît sa culpabilité, vous remarquez avec admiration l'étendue des dégâts. Il existe bien un risque qu'il se retourne à nouveau contre l'armée. Si vous lui donnez une deuxième chance, l'idée de le lâcher sur les ennemis du Hati est tentante. Alors, on peut le châtier. Donc c'est à Mélidu. Hein. 5000 de nourriture et plus de bouffe. Ok. Le recruter en tant que saboteur. Influence moins 3 et relation moins 10 avec les Hittites, ça mènerait pas des masses. Plus 500 d'or et on gagne un saboteur. Non, on va le châtier. On va le châtier. Pas de pyromane chez nous. Du coup, reprenons ici. On sait pas ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a là? Le comptoir commercial, ok. C'était pas vraiment pas le poste de passage parce qu'on en a un là. C'était peut-être un temple. Ici
ici, on a commencé à faire le temple de Kumarbi, donc ouais, je pense que je vais faire un temple de Kumarbi ici, un hôtel. C'est parti. On est d'accord que je peux pas faire de monument, non. On en a déjà un. Ok, Nardinus, mon ami Nardinus, t'es déjà quasi à portée. Ça, c'est la classe. Tu vas prendre ce poste de passage. Après, par contre, il n'y a pas grand-chose, mais au moins, t'es à portée de renfort, même si tu seras fatigué en arrivant. Donc, on va t'amener au cas où, ici, il y a une attaque, une tentative de sortie. Mouvement de Nardinus, c'est monstrueux quoi. Ok, très bien, une bonne chose de faite. On va regarder un petit peu ce qu'on peut prendre comme amélioration. Donc là on a fait ça, et on peut aller chercher plus de munitions et de vitesse pour toutes nos infanteries lance-projectiles de rang 9. Ce qui peut être pas mal, hein. Mais ça serait pertinent d'aller chercher les trucs d'avant parce que rang 9 c'est quand même élevé. Relations diplomatiques avec les Égyptiens. Temps de construction moins 2 pour les avant-postes militaires, c'est pas non plus un truc de fou. Plus de bois quand on est allié avec les Cananéens. Plus de revenus des pierres, ouais. Alors j'ai cherché longuement en regardant chaque technologie une par une. Avec Suppi on n'en a pas qui permet de monter la légitimité. Hein. Là c'est marqué dans les trucs possibles, t'as les décrets royaux ici. Certains décrets peuvent augmenter votre légitimité, mais avec Suppi c'est pas le cas, on n'a pas du tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun décret qu'on peut prendre pour augmenter la légitimité. Peut-être que Kurun Tapeu, c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi il a pris autant de légitimité d'un coup, mais. Alors si on fait un tour rapidement sur nos armées, on est à Purushunda donc on a une armée ici, voilà, l'armée. Donc toi t'as pas de tireur, nos tireurs ici sont rang 4, ici ils sont rang 6, là ils sont rang rien du tout, là ils sont rang 1, ok donc ça veut dire que le truc rang 9 c'est pas rentable, par contre plus d'XP et le petit bonus pour les rang 4 ça peut être intéressant, on va prendre ça. Ah non, il faut qu'on fasse tout le tour du coup, on peut pas y aller d'ici. Zut, il y a des flèches. Du coup, on prend plus d'or, 30% d'XP, et ça. Ouais, bah c'est pas si mal en vrai. Franchement, ça me va. On n'a pas du tout été travaillé de ce côté-là, mais c'est beaucoup des trucs très très circonstanciels. Même si ça, ça serait intéressant à prendre également, la dévotion, l'emplacement de dévotion de plus pour l'instant. On n'a même pas utilisé notre deuxième emplacement de dévotion. On va faire ça. C'est trois bonus qui m'intéressent, qui sont sympathiques. On a Seb. Seb, est-ce que tu arrives à stabiliser un peu la zone? Oui, mais il faudrait que tu restes pour que ça marche. Est-ce qu'on peut pas te donner un truc du coup? Le grand livre des réserves. On va lui donner, même si c'est pas du bonheur en tant que tel, ça peut aider à faire quelques petits bonus de temps en temps. Est-ce que ici on n'aurait pas ce qu'il faut pour faire notre obélisque? 5 de main d'œuvre et on en a que 4, dommage. Par contre on peut commencer à reconstruire à Shosho City. Donc on va faire pas le fort mais le promontoire. Ici, j'aimerais bien le poste de passage. Donc le troisième emplacement qui est là. Cela dit, non, le poste de passage serait mieux ici. Hop. Ici, on va mettre le poste de passage. Non, pas le comptoir commercial, je vais y arriver. Il est où? Là, avant-poste administratif. Poste de passage, c'est bien ça, très bien. Et donc ici, on pourrait mettre un truc de raid éventuellement, l'hôtel d'Arina. On en est où en termes de divinité? 830 sur 600, oui, c'est pas une priorité en tant que telle du coup. Le petit truc qui donne un boost de ressources, toujours bon à prendre.
toujours bon à prendre. Donc c'est bon pour Shosho City ici. Est-ce qu'on fait de la garnison ici? Vu les autres choix qu'on a, je pense qu'on va faire de la garnison à Shosho City. Après tout, on veut défendre cette ville. Là, s'il avait été un peu plus fort que 6, il aurait pu attaquer quoi. D'ailleurs, en faisant ça, je leur descends en main d'œuvre. Donc non, on va pas faire de garnison tout de suite. On va aller travailler sur les autres villes peut-être. Ici, on peut améliorer la bouffe. Ça me va plutôt bien. On prend. Ici, on peut améliorer l'or. Pourquoi pas. L'ordre public va pas changer. Donc on va faire la salle de théâtre pour tenir la région. Ici pareil, il faudrait qu'on puisse la faire. Il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est dans cette province là, toi, paye pour te construire, voilà, pour avoir la légitimité directe. Maintenant que l'armée ennemie s'est barrée, on peut prendre ce risque. Ici du coup on va prendre ça, on va prendre un moins 20 là, donc on aura probablement un malus de toute façon, et une rébellion. Donc on verra le moment venu. On pourrait quand même faire un petit avant-poste de type promontoire. On va faire de la bouffe beaucoup dans cette province. Notre influence est déjà maximale. On va faire un comptoir commercial. Un petit comptoir commercial. Alors là, par curiosité, si on lance l'assaut, du coup, parfait. Tac tac, on a des blessés là-dessus. Enardinus, il s'en sort très bien. Donc c'est parti. Ouf. Le petit revers là, ça semblait être un match nul, mais. Allez, la légitimité, on gagne 3 de légitimité. C'est le max pour les batailles, j'ai l'impression. Et du coup, on pille, on occupe. Ouais, on pille, on occupe. Make our kingdom rich. Et là, on a pris une terre sainte. On réussit notre petite ambition au passage, hein, ce qui n'est pas un mal. Et on gagne l'arc de chasse de Kurunta. Mais ce serait uniquement pour le grand roi, donc je sais pas si on va l'équiper. On a gagné une insigne, thèse de l'aura 15%, pas mal. Un nouveau grand livre des réserves. Non, c'était tout à l'heure ça. Ah, peut-être pas. Un nouveau grand livre des réserves. Très bien. Voyons ça. Donc là, on peut équiper l'arc maintenant. Mais on lâche le bouclier, du coup, on gagne tireur de précision. Ces projectiles lancés par cette unité ignoreront toutes les chances de bloquer les projectiles. Ah, oui, c'est pas mal, effectivement. C'est pas mal, mais on va garder la hache pour Soupy, j'ai pas forcément envie d'en faire un tireur. Il a pris un signe du coup, travail du bronze assyrien, très bon ça aussi. Coût de recrutement, entretien en bronze de moins. Donc on va aller chercher le petit bonus ici, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Est-ce que Nardinus a pris un niveau? Non, Nardinus n'a pas pris de niveau. Cela dit, il est plus haut niveau que Soupy maintenant. Hein. Et avec le bonus de la vache, on reconstitue en un tour quoi. Nickel, donc là. On a pris sa capitale, là normalement on devrait l'avoir enfoncé. Ouais, ça va être. On va être bien, je pense. Bon, c'est pas gagné encore, hein, parce qu'il en a beaucoup encore, mais. Il est blessé, il va pas pouvoir reprendre de poste. Normalement, du coup, il est plus à la tête de son armée, voilà. Je pense que ça peut. Je pense qu'on est bien. Du coup, cette province. Déjà, on va réparer ce bâtiment direct. Ensuite, on garde ça, bien sûr. On va garder le bureau du percepteur. Est-ce qu'on garde le camp de recrutement des autochtones ici? Ça se permettrait d'avoir un rang de recrutement plus 2, mais pas de recruter de troupes supplémentaires par rapport à un camp d'une ville de base. Si, c'est quand même un petit peu plus amélioré.
Et ici j'avais fait des bâtiments de bonheur pour pour tenir la province, mais on va pouvoir l'enlever. Du coup, je pense qu'on va prendre ça. Ah non, on peut pas parce qu'il faut être là. Autant pour moi. La salle de recrutement, non. En termes de main-d'œuvre, on peut aller chercher le champ d'élevage. Parfait. Et une boulangerie. Et après, on peut me prendre aussi du bois ici. Très bien. Et une boulangerie. Ok, ça va être de la ressource ici. Donc pour l'instant, on va démolir ça. Ah, c'est quand même un truc amélioré, hein. Ça nous permet de recruter quoi? Épéiste d'Anatolie en armure, guerrier de renom, char lourd. Ah, on va le garder. On va le garder. On va le réparer. J'ai pas assez, donc on va pas le réparer. On va lâcher la boulangerie, on va le réparer. Quand même pas assez, ça coûte combien la boulangerie? 62 pierres. Ah oui, on est vraiment en dèche là, ok. Là, on fait ce truc là. Là, on annule pas. On peut peut-être annuler un petit avant-poste à la con, genre là, là. Alors non, pas ici, on est déjà tout au nord. Atouza, c'est là, donc c'est ici, voilà. Celui-là, on annule. Pour travailler plutôt ici. Réparer ça. Faire notre petite boulangerie. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On peut pas réparer instantanément. On peut pas payer pour réparer instantanément, non. Et du coup là, ah, on a du recrutement là. Ça fait plaisir. On va pouvoir transformer un petit peu l'armée de Suppi en armée lourde. Mais ce que je voulais faire, tant qu'à recruter, c'est lui prendre les deux chars royaux à Suppi. Let us safeguard Hattie. Pour le plaisir, ça nous coûte hyper cher en bronze, mais pour le plaisir, je voulais qu'il ait ses deux chars royaux. Ce qui fait qu'on va faire un petit peu d'échange de troupes, recruter avec Nerdinus. On va essayer de se faire deux armées très fortes pour aller terminer Kurunta ou s'occuper de quelqu'un d'autre si on est forcé à une paix dans 3 tours. Mais là, ça c'est le coup qui va nous faire gagner la guerre, je pense. 27 par tour, on gagne. Waouh! Ça pète. Donc, sur ce flanc, pour le moment, on est bien. On pourrait même se permettre de construire des trucs. Non, on a plus une pète de bois, on a tout cramé. Donc, les armées, c'est fait. Là-haut, on est bon. On a Seb pour le moment. Est-ce qu'il recruterait Seb? Des unités d'élite, oh, c'est pas vraiment le moment, je pense. Il a pas mal d'archers, peu d'unités pour tenir sa ligne, mais en même temps, on a peu de choix d'unités ici. Là, on va passer niveau 3, on va pouvoir faire un théâtre. On pourrait commencer à progresser par là. On a quoi là du coup? On a 17 troupes. Donc quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'avant-poste. Ce qui le rend quand même pas facile à attaquer avec nos 12. Notre armée assez légère et nos 12 troupes. Donc 4 tireurs qui vont pas être utiles pour passer les portes. Il faudrait qu'on se replie ailleurs. On va commencer à envisager d'aller chercher du recrutement par là-bas. D'ailleurs, là-bas, là, ça se passe comment à Kanesh? On est à moins 1 désormais. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est à cause de la main-d'œuvre inactive en plus. Donc, si on pouvait la claquer quand on en aura 5 pour ça, ce serait intéressant. Alors, on a plein d'accords d'échange qui ont expiré par contre. Amuru. 20 de bois contre 120 de nourriture. On continue. Toc. On avait un accord avec Ancyr, mais vu qu'on en a relancé un autre plus ou moins forcé, c'est pas dit qu'ils acceptent grand chose.
Accord d'échange. Toujours pas de bronze de toute façon. Alors, si je mets 10 pièces sur la table. Tu veux pas pour 250. Si je mets 15 pièces. Un petit peu de pierre. 20 pierres, c'est trop. Il a quoi du coup? Il a du bois et de la nourriture. Ouais, donc c'est quand même ça dont il a besoin, quoi. Allez. Histoire de soutenir un peu notre économie et nos relations. Et donc c'est toujours mon vassal, hein. Il a pas perdu de trucs là-dessus. Et c'était avec qui l'autre l'autre accord expiré? Amuru, Ansir et Tuana. Ah, on a perdu notre accord avec Tuana. Voyons voir. On a en cours 22 bois contre 120 de nourriture. The king of Hati honors me with this visit. Toujours pas de bouffe. De bronze, pardon. Est-ce que tu claquerais un peu de pierre? Genre 52 pierres contre un petit peu de sous. Allez. Booster un peu notre pierre parce qu'on a jamais trop de pierre également. La nourriture, on a un gros pactole, mais la pierre, on la consomme beaucoup. On a quelque chose qui est pas équipé. Alors on a un truc disponible pour toi, une insigne. Taille de l'aura pour Akatsuki. Allez, vas-y, prends ça. Non, il a rien droit d'autre pour le moment. Mais en même temps, il a pas encore fait ses preuves. Et on avait GG qui avait pris son petit niveau. Qui va partir sur ce truc là. Parfait. Et bah du coup c'est l'heure de passer le tour, de voir un petit peu ce que Kurunta nous propose pour essayer de sauver sa peau. Il se replie à Kibira, très bien, ce sera notre prochaine cible. Alors là, il prend la stratégie du péon, il embarque avec sa seule troupe en laissant sa ville pour aller se cacher dans un coin de la map et pêcher la victoire. Et toi, tu veux quoi? Un pack de non-agression en échange de 52 de nourriture? Non, bah, c'est bon. Tu deviendras notre vassal et tu seras intégré. Et c'est tout. Et tu diras oui, merci. Ah, les chats ont l'air d'être vilains aujourd'hui, quoi. Allez, dis-moi qui pousse son avantage là. Ouais, il fait pas demi-tour. Voilà, ça c'est bien. Elle va peut-être enfin pouvoir se débarrasser de lui. Oui, parfait. Bien joué, vassal. Tu m'as bien lourdé ces derniers. C'est depuis qu'on t'a vassalisé, mais là, enfin un bon move. Et on a découvert un nouveau mec d'ailleurs, visiblement. Ok, donc là il se déplace, grand bien lui fasse, Mélidu. On peut aller plus vite, merci. Ouais, bah vas-y, bouge. Lui, il... Attends, me dis pas qu'il va continuer à essayer de se lancer sur ce truc avec cette troupe, mais mec, enfin, faut que t'arrêtes un moment. Alors il a des troupes de plus en plus expérimentées, cela dit, hein, mais... Il y a un moment ça va passer, quoi. Mais bon. J'ai l'impression que là, ils se sont débarrassés de l'envahisseur, d'une manière ou d'une autre.
joli, hein, tout violet, bleu, comme ça. Ouais, là c'est les couleurs des factions. J'ai dû cliquer sur un truc à un endroit, mais je sais pas exactement pourquoi. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? T'es sérieux? Sans déconner, il a le droit de faire ça? Ah, je suis tellement blasé. Ah, on a gagné un niveau de vénération à Kumarbi, on va pouvoir en faire un. Mais il a le droit d'attaquer un avant-poste alors que je suis dans à sa portée, quoi. Ah, c'est tellement abusé. Sans blague, quoi. Vas-y, venge-toi, Akatsuki. Ah, c'est abusé. Putain. Il nous a rasé ça, quoi. Complètement gratos, quoi. J'y crois pas. Bon. Ici, est-ce qu'on peut faire notre foutu obélisque? Ça y est. Allez, c'est parti. L'obélisque pour la légitimité. Les Lucas, ils arrivent. Ils préfèrent attaquer les colonies mineures. Et bien qu'ils viennent. Justement, j'ai quelques fessées à mettre là. Violence is necessary. C'est ouf ça. Tiens. Ouh, il s'est pris un. Il s'est pris un envahisseur sur la tronche, l'ami. La Kurunta. La tôle. Ah, je suis même pas désolé pour lui, quoi. On peut y aller? On peut aller lui piquer? Ah, on peut aller lui piquer, on va aller lui piquer, ouais, y a pas de soucis. Dévouer un général. Et on va dévouer. Kumarbi. On va dévouer Seb à Kumarbi. The deity has anointed you. Bonus de charge pour les gardes du corps, dégâts en mêlée pour l'armée, vitesse pour l'armée, XP de bataille pour l'armée. Parfait, c'est parfait pour Seb ça. Faisons des petits échanges de troupes. Nardinus. Tu vas prendre ces deux là. Est-ce que tu prends le char? Non, je pense pas. On a de l'épéiste d'Atouza, quelques vétérans. Tu vas filer un épéiste d'Atouza. On a deux guerriers à la hache là qui sont pas dégueulasses, mais on va trouver mieux. Je te donne un comme ça aussi. Bouf. Ça, lui tout seul, c'est pas très utile. Mais on voudrait deux. Du coup, le lancier d'Anatolie pour en avoir 4. 4 comme ça, 4 comme ça. Plus du javelinier, du frondeur. Ouais, ça fait une belle armée. Une belle armée pour Nardinus quand même. Un peu légère, mais plutôt efficace. King of Hati. Du coup, il faut qu'on aille voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Ah mais c'est un vieil envahisseur en plus lui. À 11 personnes il a réussi à se débarrasser de la troupe de 18 plus la garnison. Alors soit ils étaient plus et les autres sont morts. Soit il y a Kurunta qui se planque quelque part. Mais ça me paraît quand même douteux. Non, tu rejoins la garnison. On va essayer d'éviter la rébellion si on peut. Du coup, toi, mon cher, qu'est-ce que t'as de beau? Ces gens-là sont certes efficaces, mais il faudra peut-être qu'on s'en sépare. Il nous faudra un petit épéiste de plus. Guerrier à l'âge de renom. On peut avoir des archers aussi. Ça pourrait être pas mal quelques archers. On va prendre deux archers hittites. Et restez là pour le moment. Bon. Alors, avec le bronze qui nous reste. Un bâtiment de garnison, ce serait sans doute pas mal dans le coin. Ah, on peut faire un grand temple ici. Un grand temple de Kurunta. Ok, donc on n'a pas Kurunta pour le moment.
Donc ça nous sert à rien. Ah, il est là le bâtiment de garnison, je le trouve pas. Il nous faudrait deux mains d'œuvre pour ça. Donc pour le moment, on peut partir sur du bûcheronnage. Allons-y. Un petit truc de bûcheronnage, ça fera pas de mal. Là, rien de fou. Pour Ushanda non plus. Bah, de toute façon, on claque de la ressource. Hein. De toute façon. Est-ce qu'on a une indication? Lucas viennent de l'autre bout de la mer, comme les Weshesh, mais contrairement à eux, ils sont originaires de la péninsule au nord-est d'Alachia. Ok, donc probablement qu'ils vont arriver par la mer, du coup. Ah, on a gagné une hache en croissant. Qu'on pourrait mettre à quelqu'un. Et qui donc? Suppi, toi t'as déjà ton. T'as déjà ta hache plus plus. Nardinus, il a déjà une belle. Une belle épée. Une belle lance, je crois. Donc toi tu pourrais prendre peut-être une petite hache. Il attaque quoi, le dire qu'attaque frappe puissante qui est quand même pas mal. Défense contre les charges imposantes, si on se fait charger par des chars, c'est pas trop le thème. Hein. Par contre ça monte quand même notre... En fait en gros on perd un petit peu de défense en mêlée et on monte pas mal nos dégâts, on va le prendre quand même. On va le prendre quand même. Ici on est enfin passé à zéro, mais on peut pas trop se permettre de s'en aller pour le moment. Ça, ça coûte combien à construire? Non, c'est trop cher de toute façon. Pas la peine de payer, on pourra pas le faire tout de suite. Alors la cour. On est toujours à 1 sur 1 là. Donc, je sais pas si c'est un bug ou autre. En tout cas lui est de retour. Ça c'est nos vassaux, donc c'est pas si mal. Ça c'est un mec neutre et ça c'est notre ennemi. J'aurais vraiment bien voulu prendre le poste de législateur hein, pour me débarrasser une bonne fois pour toutes de lui. De toute façon, vu la légitimité qu'il a, on pourra faire un chantage. Pourquoi pas? Réduire un petit peu le coût. On le paye pour avoir de l'estime, certainement pas. Toi, on peut réduire le salaire de l'armée sur les unités armées de lance. Ça me va plutôt bien. Bon, ce sera lors des prochains suivants d'Horus, donc c'est pas tout de suite, mais ça peut être utile. Et donc là, du coup, on va aller prendre ça, ce qui va nous faire la province. Plutôt cool. Et alors du coup, si on regarde la force de Kurunta, il a plus rien. Donc il s'est effectivement fait pourrir la tronche. Ça c'est beau ça. Franchement, ça c'est beau. Alors, on a un point de compétence sur Akatsuki. History will remember me. On va aller chercher ça. Quoique, il te manque juste un pour avoir ça là. On va chercher ça à l'attaque. À l'attaque pour Akatsuki. Alors, GG du coup, ah oui, faut qu'il revienne, dans des territoires qui nous appartiennent. Going forth. Voilà. On va te mettre, je pense, en marche forcée et essayer de te ramener par là. Pour l'instant, on n'a aucun avant-poste où interagir. Chocho City au passage. Ah oui, non, on est en train, on a déjà relancé les constructions, parfait. On a déjà investi.
Seb, t'as pas trop le choix, faut que tu restes ici, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Alors je peux construire ça pour avoir le boost de bonheur, 6 de bonheur et dont 6 de présence militaire, donc ça veut dire que tu peux partir. We must be ruthless. Tu vas repartir par là-bas, aller recruter un peu dans notre province capitale. Et les avant-postes, pour le moment on va économiser en ressources. Et on va du coup pouvoir arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que ça va bien se passer face à Kurunta. Je pense que oui. Il vient de se faire salement remettre à sa place. En tout cas, merci de suivre la série jusqu'ici. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.